Naomi, excusez-moi. Oui, Jean. L'autre fois, vous m'avez dit que vous aviez besoin de parfum. Eh bien, vous allez être contente. Tenez, un parfum de luxe français. Jo, vous êtes si gentil. Tout ce que je peux vous offrir, ce sont mes ciseaux de coiffeuse. Oh, ils sont parfaits, merci. Je suis sûr qu'ils me seront utiles. Ouf, maintenant je me sens plus tranquille pour ce soir. Bonjour, je m'appelle Joe King. Vous êtes sûrement la sorcière du village, non? Je dis que Arctique, pas que voulez-vous. Vous lancez des sorts sur les gens, pour ruiner leur vie. Hé, je suis docteur, pas avocat. Je connais une bonne blague. Quelle est la différence entre un rat de laboratoire et un avocat? Je sais pas. Seuls les scientifiques finissent par s'attacher au rat. Il faudra que je la ressorte au prochain congrès des sorciers de village. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je prépare des potions pour les gens du village. Pourriez-vous me fabriquer un remède contre les inflammations? C'est pour un de mes amis. Un ami, hein? Bon, j'ai besoin des ingrédients suivants. Des poils d'un animal très lent. Du lait provenant d'un site sacré. Et autre chose pour donner à la lotion un peu de piquant. C'est tout? Oui, c'est tout. Amenez-moi tout ça et je ferai votre potion en un rien de temps. Mais c'est pour un de mes amis. Ah, d'accord, si vous le dites. Je peux vous aider à préparer des potions? Désolé, petit. Il s'agit d'un processus magique très complexe. Asseyez-vous et regardez. Vous utilisez des ingrédients naturels? Ah, bien sûr. Il n'y a absolument rien d'artificiel dans mes potions. J'utilise des feuilles, des fleurs, des racines. Bref, tout ce que Mère Nature peut nous offrir. Merci pour ces informations. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Vous pouvez encore me dire quels sont les ingrédients dont vous avez besoin? Là, pour une lotion contre les inflammations, il me faut les ingrédients suivants. Des poils d'un animal très lent. Du lait provenant d'un endroit sacré. Et quelque chose pour donner à la lotion un peu de piquant. C'est un plaisir de discuter avec vous. Au revoir. J'ai un des ingrédients dont vous avez besoin. Ah, des guêpes. Voilà qui donnera à la lotion un peu de piquant. Ah, vous vous êtes bien débrouillé. Il ne manque plus que deux ingrédients pour vous faire une médecine. Voilà un des ingrédients dont vous avez besoin. Très bien. Il ne manque plus que l'ingrédient final pour faire votre médecine. Thank you.
j'ai une idée. Si je mets cette fleur sur cette branche, je pourrais l'attirer plus près. Il ne me reste plus qu'à attendre. Je me demande ce que fait Joe en ce moment. Probablement quelque chose de très excitant. C'était pénible. Ça ne fera même pas mal. Voilà l'ingrédient qui vous manquait. Très bien. Maintenant, je peux préparer la lotion. Oonga Putana. Oonga na Putana. Chakrunga Shunga. Mais qu'est-ce que vous faites? Je demande aux dieux de bénir ma médecine. Maintenant, si vous permettez... Putani Shunanga. Shunga. Waouh, génial! Cette médecine devrait vous soigner. Merci beaucoup. En fait, c'est mon ami qui est malade, pas moi. Oui, c'est ça. Ils disent tout ça. Bon, j'ai du travail. Au revoir. Excusez-moi, Bud. Ouais? J'ai trouvé une lotion pour guérir votre irritation. Une lotion? Comment pourrais-je vous remercier? Avec de l'argent, ce serait très bien. Ah oui, tenez, voilà plein d'argent. Ne dépensez pas tout. Excuse-moi, Bob. Que puis-je faire pour vous? Je vais jeter un coup d'œil. Ah, faites-moi signe si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Je voudrais acheter ce disque. Mais certainement. Vous avez de l'argent? Bien sûr. Tenez. Et à vous, fiston. Merci. Ravi d'avoir fait des affaires avec vous.
Excusez-moi, je suis venu pour désinfecter. Ah oui? Où est donc votre matériel? Ici. Oh, je vois. Bon, faites toutes les pièces, sauf la bibliothèque. Nous ne voulons pas que vous trouviez un passage secret. Vous avez parlé de passage secret. Des passages secrets? Non. Je parlais de partages spéciaux. Bon, soyez gentils et restez en dehors de la bibliothèque. Et vous là, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Qu'est-ce que vous préparez? À votre avis, je suis en train de faire quoi? La chirurgie esthétique? Eh, calmez-vous, mon vieux! Je voulais simplement savoir ce que vous étiez en train de cuisiner. J'essaie de faire le déjeuner du docteur. Mais avec ses dents en compote, il est très exigeant pour la nourriture. Il me rend fou! Vous avez finalement réussi à faire le repas du docteur? Non, pas du tout. Je ne sais pas quoi servir à quelqu'un qui a les dents aussi sensibles. Et vous ne m'aidez pas vraiment en marcelant. Je crois que je perds mon temps. Et c'est à moi que vous dites ça. Maintenant, sortez d'ici. Excusez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je suis très occupé, vous savez. Je crois que j'ai quelque chose que vous pouvez donner à manger au docteur sans le moindre problème. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Une banane. Elle est molle et onctueuse et contient très peu de calories. Tenez. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, vous me sauvez la vie. Je dois apporter ça tout de suite au docteur. Surveillez ma cuisine pendant ce temps. Comme ça, ça devrait marcher. Il y a une lettre dedans. Elle est adressée à John Privé. L'écriture ressemble à celle d'une femme. Oh, la belle musique. Un ascenseur secret. Génial. C'est parti, mon kiki.
Tiens, j'ai trouvé un ouvre-boîte. J'ai une lettre adressée à John Privé. C'est sûrement vous. Ah oui, j'attends du courrier. Tenez, voilà. Oh, chouette. C'est de ma petite amie. Je suis content pour vous. J'ai hâte de savoir ce qu'elle devient. Cher John, merci pour ta lettre. J'ai été très occupé ces derniers temps. J'ai travaillé souvent la nuit à l'hôpital et je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai rencontré un jeune docteur très gentil. Nous nous entendons très bien et il est adorable avec moi. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime beaucoup, mais je l'aime encore plus. Désolé, je t'embrasse quand même, ta petite Christinette. Tout va bien? Elle me quitte pour Arthur. Ma petite Christinette m'a laissé tomber. C'est un mémo sur une certaine vallée des brumes légendaire. Nous sommes presque certains d'avoir localisé l'emplacement exact de la vallée. C'est le planning du jour. D'après ce planning, John Privé est assigné à la patrouille dans le couloir. Henry doit se présenter au colonel Jackson pour les corvées de cuisine et Clunk doit garder le bureau de Frank. Bonjour, je suis en train de désinfecter les locaux. De désinfecter? Ah oui, j'ai été prévenu de votre présence. Vous feriez mieux d'aller plus loin. L'accès à ces pièces est interdit. Vous ne faites jamais rien d'autre à part manger? J'adore manger. Si je ne mangeais pas autant, je finirais comme vous. Un grand galet tout maigre. Bon, je dois y aller. Bonne idée. Halt! Vous êtes dans une zone interdite. Qu'est-ce que vous faites ici? On vous demande pour les corvées de cuisine. Ce n'est pas encore une des sales blagues de John, j'espère. Pour être bien sûr que vous me dites la vérité, quel est le nom de l'officier responsable des cuisines? Le colonel Jackson. Le colonel Jackson? Mais comment ai-je pu oublier une chose pareille? Je devais me présenter dans son bureau il y a une heure. Vous feriez mieux de vous dépêcher alors. J'espère qu'il n'est pas trop en colère. Il semblait plutôt furax. Je reviens tout à l'heure. Ne touchez à rien pendant que je ne suis pas là. Excellent, mon petit Dino, tu as réussi à sortir du labyrinthe. Félicitations, Dr. Arenstein.
Anderson. Je pense que votre folle depuis Rio a été agréable. Oui, bien sûr. C'est moi qui ai piloté l'avion. Qu'est-il arrivé à votre nez? C'est à cause des trous d'air pendant le vol. Je croyais que tout s'était bien passé. Ah oui, tout était parfait à part les trous d'air. J'espère que vous aurez moins des problèmes pour piloter mon appareil. Bien sûr, docteur. Merci d'avoir choisi la compagnie du Belge volant. Je n'ai fait appel qu'au meilleur. Si vous permettez cette petite question, quelle sorte de créature est cela? Cette petite créature est un dino-rat, un hybride des bêtes préhistoriques dotées de l'intelligence d'un rongeur normal. C'est les résultats de mes précédentes expériences génétiques. Vous vous êtes très bien débrouillé. Votre dino-rat s'échappe? Chut! Ne vous inquiétez pas, docteur. Je suis sûr que vos gardes vont le récupérer. Ce qui compte, c'est que votre rayon dino fonctionne. C'est exact. Bientôt, ces prétentieux de l'Académie des sciences font les regretter. Ils font regretter de m'avoir un jour ri au nez. Il y a une clé là-dedans. Je dirais que ça ne marche pas. Comme ça, ça devrait marcher. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer comme un animal. Je suis la princesse Azura. Je demande à être libérée immédiatement. Eh, ne me criez pas dessus! Je n'ai rien à voir avec votre emprisonnement. Qui êtes-vous? Je suis l'employé du service de désinfection. Vous n'êtes pas un peu petit pour ça? En fait, je ne suis pas vraiment venu pour désinfecter. Je suis Joe King, pilote privé, et je suis venu pour vous sauver. Ne restez pas là à ne rien faire! Faites-moi sortir d'ici! Comment avez-vous transmis votre message au perroquet? Il était avec moi quand les hommes du docteur m'ont tendu une embuscade. Je lui ai appris un message pour qu'il le transmette à Bob le marchand. Heureusement pour moi, il est très doué pour le mime. Bob le marchand est aussi mime? Non, son perroquet! Je reviendrai bientôt. Dépêchez-vous! Et voilà, princesse. Vous êtes libre. Merci, Joe. Vous m'avez sauvé la vie. Ce n'est pas encore fini. Vous appelez ça un baiser? J'espère que Joe n'est pas tombé entre les griffes d'un dangereux animal de la jungle. C'était super, mais je crois que nous devrions sortir d'ici. Ils ont fermé la porte de sécurité et déclenché l'alarme. J'entendais pas. Ce sont sûrement les gardes.
Il faut faire quelque chose. Azura, j'ai une idée. Ah oui? Et laquelle? Je vais vous montrer. J'ai cherché partout. Où se cache-t-il? Qui est là? Ces maudits mannequins sont vraiment trop réalistes. Je commence presque à croire qu'ils sont vivants. Ils ont dû sortir avant la fermeture des portes de sécurité. Ils n'iront pas loin. Ouf, nous avons eu chaud. On peut le dire. Qu'allons-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, Azura. Je vais vous sortir de là. Je sais que vous le ferez, Joe. Vous avez vu le garde faire le code pour la porte? D'ici, je ne voyais pas très bien ce qu'il faisait, mais je crois qu'il a appuyé sur le bouton bleu, puis sur le rouge, sur le vert, le bleu et enfin le rouge. Vous avez une mémoire impressionnante. Merci, Jack. Moi, c'est Joe. D'accord, comme vous voudrez. C'est parti, mon kiki. Ça a marché. Dieu merci. Bing, sortons d'ici. Nous devons retrouver mon peuple. Non, partez devant. Je vais rester pour m'assurer que personne ne nous suit. Très bien, Joe. Je vous reverrai bientôt. J'espère pouvoir retrouver le chemin jusqu'à chez elle. Azura, vous n'avez plus rien à craindre. C'est grâce à vous, Joe. Et pour vous prouver ma reconnaissance, j'ai une récompense pour vous. Merci, mais qu'est-ce que c'est? C'est une corne de Tyranno. Nous nous la transmettons de génération en génération. Est-ce qu'elle vaut quelque chose? Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas l'air de valoir grand-chose, en tout cas. Si vous soufflez dedans, elle fait le bruit d'un Tyrannosaurus Rex en colère. C'est le symbole de la force de mon peuple. Et maintenant, elle est à vous. Bon, c'était super sympa, mais j'ai d'autres choses à faire. Je dois sortir mon zinc de la rivière. On ne bouge plus, Kink.
Vous connaissez mon nom? Je sais tout des fous. Qui êtes-vous? C'est l'ignoble docteur Ehrenstein. C'est lui qui m'a kidnappé. J'ai vous ai suivi quand vous vous êtes échappé de mon camp secret. Cet endroit est cerné par des gardes armés. Que voulez-vous exactement? C'est un job pour vous, monsieur King. Je cherche un crâne de cristal qui est caché au fond d'un ancien temple, sur l'île du paresseux. J'aimerais que vous me les trouviez pour moi. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, je transformerai toutes vos amies, les Amazones, en dinosaures. Ne l'écoutez pas, Joe. Et ma première victime sera bien sûr la princesse Azura. Bon, d'accord. J'irai dans ce temple. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais récupérer le crâne? Vous avez échoué mon système de sécurité et délivré Azura. C'est un bel exploit. S'il y a quelqu'un qui est capable de trouver le crâne, c'est bien fou. J'ai votre parole que vous relâcherez les Amazones. Bien sûr. Je suis un homme d'honneur. Bon, je crois que je dois aller chercher un crâne. J'en reviendrai. Bonne chance, Joe. Les choses commencent à se corser tout d'un coup. Que voulez-vous, mortel? Je m'appelle Joe King, pilote privé. Vous faites du jogging? Quelle insolence. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je n'ai pas dit que je faisais du jogging, je dis que je m'appelais Joe King. Ça m'est complètement égal. Je suis préoccupé. J'aimerais que vous me laissiez seul. Vous avez l'air fâché. Quel est le problème? Cela ne vous concerne pas. Mortel. Maintenant, si vous permettez, je suis occupé. Vous pêchez? Non, je fais du cerf-volant. Évidemment que je pêche. Écoutez, ça ne mord pas et ça commence à m'énerver. Alors fichez-moi la paix. Vous utilisez quoi comme appât? Appât. Appât. Appât! Que voulez-vous dire par appât? Je crois que je sais pourquoi vous n'attrapez aucun poisson. Il vous faut un appât. Mais bien sûr, suis-je bête? J'ai la canne à pêche
le fil de nylon et une rivière pleine de poissons. Mais je n'ai pas d'appât. Si je vous trouve un appât, vous m'emmènerez jusqu'à l'île du paresseux ? D'accord, ça marche. Mais je vous préviens, si je n'attrape pas un poisson, c'est vous que j'utiliserai comme appât. J'ai trouvé un appât pour vous. Essayez avec ça. Excellent. J'ai enfin pris un poisson. Quand vous serez prêt à aller sur l'île du paresseux, dites-le moi. Ça mord toujours ? J'ai eu quelques prises. Vous pouvez m'emmener sur l'île du paresseux maintenant ? Bon, d'accord. Vous avez rempli votre part du contrat. Bon, allons-y. Merci pour la traversée. De rien, mortel. Soyez prudent. Pas de problème. Il est vraiment gentil, ce type. Bon, je ferais mieux de chercher ce crâne. C'est un crâne. Oh, j'ai si peur. Ça marche. Je vais utiliser une seule pièce. Je vais utiliser une seule pièce. On dirait que j'ai touché le jackpot.
un passage secret. Je ferais mieux de reprendre mon os. Je pourrais encore en avoir besoin. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Avant de continuer, vous devez répondre à cette énigme. Qu'est-ce qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux jambes à midi et sur trois jambes le soir? C'est moi après une soirée dans mon bar préféré. C'est une tentative d'humour ratée. Je vous laisse encore une chance. Quelle est la réponse? Je sais. C'est un homme dans les trois étapes de sa vie. Vous avez trouvé. L'homme marche à quatre pattes quand il n'est qu'un bébé. Il marche normalement au milieu de sa vie et avec une canne lorsqu'il est vieux. Vous pouvez m'expliquer qui vous êtes? Je ne peux pas répondre à vos questions pour l'instant. Mais si vous parvenez à ressortir vivant du temple, je vous expliquerai tout. Bon, j'ai trouvé, d'accord. Et maintenant? Maintenant, vous pouvez entrer dans le temple. Seuls ceux qui sont dignes de mes énigmes peuvent y entrer. Et vous en êtes digne. J'aime bien cette énigme. Merci pour l'énigme. À plus tard. Seulement si vous êtes assez fort. Waouh! Hé, vous! Revenez! Je veux simplement savoir qui vous êtes! Tu parles d'un goujat? Je m'appelle Joe King, je suis pilote privé. Qui êtes-vous exactement? Nous sommes les concubines du prince Almax Akotel. Nous attendons qu'il se soit reposé avant de partir pour l'après-vie. Aucun prince ici. Où est-il? Il est dans le sarcophage. Il dort. Comment pouvez-vous être sûr que le prince est toujours là? Il est peut-être déjà parti sans vous? Notre prince ne ferait jamais une chose pareille. Nous lui faisons confiance. Prouvez-moi qu'il est encore là. Ouvrez le sarcophage. Nous n'avons rien à vous prouver. Maintenant, partez. Je vous en prie. Vous avez peur qu'il ne soit plus dans le sarcophage, hein? Avouez. Ce n'est pas vrai. Notre prince se repose dans le sarcophage. Je vais vous le prouver. Ouvrez le sarcophage. Regardez. C'est notre doux prince qui se repose comme je vous l'avais dit. Fermez le sarcophage. Et comment savez-vous qu'il est encore entier sous ses bandelettes ? Attendez, oubliez-moi, d'accord? Allez ennuyer d'autres zombies. Nous sommes très occupés. Je ne peux pas déplacer ça. Je dois prendre ça avant de faire quoi que ce soit.
J'espère que le prince porte un caleçon. Je crois que vous devriez encore ouvrir le sarcophage. Pour quoi faire? Donnez-moi une bonne raison. Je viens de récupérer un tas de chiffons de l'intérieur. Vous avez fait quoi? J'ai l'impression que nous ferions mieux de jeter un coup d'œil. Ouvrez le sarcophage. Quoi? Il est parti? Mais comment? Fermez-le. Qu'est-ce que je vous avais dit? Notre doux prince est parti. Il est parti dans l'après-vie, sans nous. Je me sens tellement impuissant. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Ce sale rat! Si jamais je lui mets la main dessus... Bon, les filles, nous avons du travail. Dans l'après-vie. Au revoir, Monsieur King. Nous nous reverrons peut-être un jour. Au revoir. Voilà enfin débarrassé de ces zombies. On dirait que le prince a oublié sa couronne. Ça me fera un chouette souvenir. Je ne peux pas l'atteindre. Quel boulot! Comme ça, ça devrait marcher. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Ça a l'air de se détacher. Mmh.
Je dois prendre ça avant de faire quoi que ce soit. Je crois que je me suis assez amusé. Ce n'est pas le moment de jouer au baseball. Hé, vous ! Ah, c'est encore vous ? Dites, vous êtes un des gars du docteur Ehrenstein ? Qu'est-ce que vous faites dans cette cage ? J'ai déclenché par erreur un piège. J'ai tiré alors que j'aurais dû pousser. Qui êtes-vous ? Je suis Joe King, je suis pilote et je cherche du travail. Votre boss m'a envoyé ici pour trouver un crâne de cristal. Eh bien, monsieur King, vous n'avez plus besoin de le chercher ? Je m'appelle Ian, et j'ai le crâne. Vraiment ? Oui, si vous m'aidez à sortir de cette cage. Nous pourrons tous les deux savourer la gloire en revenant avec le crâne. Comment puis-je être sûr que je peux vous faire confiance ? Mais bien sûr que vous pouvez me faire confiance. Nous sommes tous les deux dans le même camp, non ? En plus, vous serez obligé de me délivrer si vous voulez le crâne de cristal. Puis-je voir le crâne de cristal ? Vous me prenez pour un imbécile. Le crâne restera caché sur moi tant que vous ne m'aurez pas sorti de cette cage. Comment puis-je arriver jusqu'à cette pièce ? Je ne me souviens pas du chemin exact, mais je sais qu'il faut passer un serpent géant. Bon, je dois y aller. Dépêchez-vous de revenir pour me délivrer, d'accord ? Bien que j'ai brûlé la poupée. Waouh, quel voyage! Je crois que je peux voir une salle de l'autre côté de ce mur. On dirait que ça ne marche pas. Thank you.
vois pas comment y aller. Ça ne servira pas à grand-chose. Je ne vois pas comment y aller. Ça ne servira pas à grand-chose. Ça ne servira pas à grand-chose. Comme ça, ça devrait marcher. J'ai trouvé la fortune. Je ne vois pas comment y aller. C'est fermé. C'est hermétiquement fermé. Je ne vois pas comment y aller. Je ne vois pas comment y aller. C'est dangereux ces trucs qui pendent.
comme ça, ça devrait marcher.